Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bon épisode et bon frisson. Alors que deux enfants jouent dans le salon, leur père s'assure qu'ils vont bien en regardant les images retransmises en direct par la caméra de sécurité installée dans la pièce. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent ceci. Après avoir aperçu cette forme blanche derrière le portillon de sécurité, le père décide de s'y rendre en personne pour finalement constater que rien ne s'y trouve. Il est tout à fait possible que cette apparition ne soit qu'un simple artefact visuel, mais ces images donnent la désagréable impression que quelque chose se tient derrière le portillon en train de regarder les deux enfants jouer. Le Titanic Museum, situé à Pigeon Forge, dans le Tennessee, est un musée sur deux étages qui rend hommage au célèbre paquebot éponyme, tristement connu pour son naufrage la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans l'Atlantique Nord. Construit sous les traits du Titanic, le musée propose 20 galeries à visiter, avec plus de 400 artefacts authentiques récupérés sur le lieu du naufrage. En raison de la présence de ces objets empreints d'un passé tragique, le musée serait hanté par l'esprit d'anciens passagers décédés lors de la catastrophe. Selon certains témoignages, une dame blanche aurait été notamment vue dans les galeries du musée. Ghost Hunt Weekends est un groupe d'enquêteurs qui a décidé de se rendre au Titanic Museum dans l'espoir de communiquer avec les éventuelles présences qui habiteraient le lieu. Et les résultats qu'ils vont obtenir sont plutôt intrigants. Hey, we know you're in here. We've smelled your cigar before. Can we have a smoke? Can you light up a cigar? I'd love to have a little puff off one. Is there anybody in that room? I don't know what that was. There was something noisy in that room. Yeah, I heard something in there. Let's try it again for that one. Count to three. I'll even go backwards. When I get to one, can you make that one go off? Three, two, one. Whoa. Yeah, this one here. Hey, what's that screaming? Is that screaming? Yeah, did you hear that? Dude, we just heard screaming. Yeah, this one here. Hey, what's that screaming? Is that screaming? Yeah, did you hear that? It was like a... D'abord un coup sec, puis ce qui semble être le cri d'une femme peuvent être entendus. Si ces deux événements sont étonnants, ils ne constituent que le plat d'entrée par rapport aux prochaines images que les enquêteurs vont capturer. We saw a woman in a dress. Are you trying to escape? The ship is sinking and filling with water. We can get the keys and open this gate. Let us know you're in there. Can you bang harder? We'll get the keys. We can't hear you if you're in there. Peut-être l'avez-vous manqué. Alors que les enquêteurs sollicitent une éventuelle présence à se manifester, on peut apercevoir la silhouette d'une femme apparaître derrière un des membres de l'équipe. Si certains commentaires pensent que cette apparition n'est rien de plus que l'ombre ou la silhouette d'un enquêteur, d'autres soulignent le fait que cette forme sombre apparaît de façon peu naturelle et contraste beaucoup avec le reste du groupe qui est immobile. Se pourrait-il que les enquêteurs aient capturé une certaine forme de manifestation, ou s'agit-il d'une simple illusion d'optique? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Un soir, des amis font une partie de Monopoly quand soudain. Stay right. This is fucking bullshit. Every time we play this goddamn game, you're not gonna form an alliance. Together and we're not gonna form an alliance. No, it's Monopoly. You can do that. You can't it's fine. Do that. You can't. Yes, you. Holy shit. Oh my shit. God. Get back here. What the fuck was that? What the fuck was that? What the fuck your phone, dude? Fuck your phone. My phone. Dude, the fucking door just got ripped off the fucking room. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Oh my god.
Si aucune information complémentaire n'est donnée par rapport à ce qu'il s'est passé, les quelques mots que l'on peut entendre laissent imaginer une scène plutôt terrifiante. Et d'autres images capturées quelques mois auparavant pourraient bien donner un début de réponse quant à l'origine de cet événement. Fuck, man. Dude, what the fuck? My camera's off, dude. The fucking screen's like completely black, dude. No, it's completely black. Cette forme, qui peut être observée derrière la fenêtre et dont les traits laissent deviner la partie supérieure d'un visage, ne semble pas être vue par les jeunes amis sur le moment. Et si l'apparition a de quoi effrayer, les trois camarades vont capturer d'autres images encore plus lugubres. The window. I don't know if they know I'm looking or they know I'm like, oh, oh, there's a little hand. Look, there's two little hands. Oh, they're knocking. Wave. I think she's in trouble. Maybe she is in trouble. Nah, if you were in trouble, you should be knocking a lot harder. Should we call? Maybe she can't make noise. Si les jeunes amis préfèrent rire de l'événement, ces mains qui sortent du volet de la maison n'en restent pas moins dérangeantes. L'un des amis dit d'ailleurs une phrase qui fait froid dans le dos. Peut-être qu'elle ne peut pas faire de bruit. Ces mots laissent alors imaginer toutes sortes de scénarios absolument terrifiants pouvant se cacher derrière cette scène. Devant l'absence totale d'informations données par l'auteur au sujet de ces différentes vidéos, la possibilité d'une mise en scène reste la plus envisageable. Malgré tout, ces images sont assez perturbantes. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait. Merci. Quand des jeunes amis explorent une piscine abandonnée aux abords d'Angoulême, ils ne s'attendaient pas à faire cette rencontre. Non, parce que si on court tous en tronc. Oui, voilà. Essaye de. Arrache-la. C'est bon ? Oui. Bon, bah, je crois que c'est bon. C'est bon là. Quelqu'un prend la perceuse. Ah, c'est moi la lumière alors. C'est fort l'alarme ? Oui, ça fait fort, ça fait une voix de fille. C'est vers où ? Elle est où l'alarme en fait ? Là, ça sonne ou pas ? S'il est difficile de voir ce qui a provoqué la fuite des jeunes amis, en repassant les images au ralenti, une idée plus claire sur la raison de leur départ précipité peut commencer à se dessiner. Cette créature, dissimulée dans la pièce, offre un spectacle plutôt terrifiant. Certains commentaires ont souligné le fait que ses yeux semblent briller étrangement. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une personne sans abri. Un des amis présents sur cette vidéo a ajouté ceci. Personne ne pouvait entrer à l'intérieur car c'était fermé. Nous passons à côté de cette piscine tous les jours car elle est sur le chemin du restaurant de l'université. Nous n'avons jamais vu quelqu'un y vivre, nous ne savons vraiment pas ce qu'était cette chose. Une chose est sûre, les jeunes amis ne risquent pas d'y retourner de sitôt. La route de Buck Hill est considérée comme une des routes les plus hantées du Canada en raison des étranges phénomènes observés par plusieurs personnes et l'histoire tragique qui y a pris place. Après une dure journée de labeur, un bûcheron rentrait chez lui, attendu par sa femme, sa fille et son chien. Sous la menace d'une tempête de neige, le bûcheron décida de sortir dehors quelques instants pour récupérer de quoi alimenter le feu de la cheminée. À son retour, il apprit que le chien s'était enfui de la maison et que sa fille était partie à sa recherche. Conscient que le temps n'allait qu'empirer, le père, équipé d'une lanterne, se précipita dans l'obscurité de la nuit et le froid de la tempête pour retrouver sa fille. Malgré avoir cherché toute la nuit sous des rafales de vent glacial, il n'avait pu la retrouver. La légende dit que le bûcheron continua de chercher sa fille jour et nuit jusqu'à son dernier souffle. Depuis sa mort, de nombreuses personnes disent avoir aperçu des lumières étranges sur la route de Buck Hill et certains pensent que cette lumière pourrait être celle de la lanterne du bûcheron cherchant encore sa fille. Omar est un youtubeur qui fait de l'urbex et mène parfois des enquêtes dans des lieux supposés hantés. Un soir, il décide de se rendre avec sa copine sur la fameuse route de Buck Hill et voilà les images qu'ils vont capturer. This road is interesting. There is something you're supposed to do, and you're supposed to go right up to the peak of the hill where we are now, and basically turn off your car,
yell daddy 3 times, and then flash your high beams 3 times. And apparently you'll see a light coming towards you. I don't know if like that's legit, but many people have actually said you're supposed to do that, so. I feel very sad. Like emotional-wise? Mm-hmm. I don't know how to explain it. It's not, like, it doesn't feel like my emotions, but, like, I feel very sad. It's probably the father's. Maybe. Look at this, guys. It's pitch black out there. I can't look. Are you ready? Okay. Okay, so on the count of three, we go, daddy, 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 and then you go 1, 2, 3 with the high beams. Okay, ready? Ready? It's only count of three, okay? Okay. 3, 2, 1. Daddy, 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 daddy. Oh my god. Oh my god, there's a light. What the f- My eyes are watering hardcore. Oh my god. What the f- did we just see? I don't know. I don't know. That was weird. That was instant. That was. And like the light's gone again. Like it's not there. Look, 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 look. There's another one. Did you see that? It's gone. No, it's still there. Is it a car? I don't think it's a car, babe. I don't know. Oh, I don't like it out here. I'm kind of scared. Did you see that though? Yeah. Can you point me to where you are? Yo, beep, 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 there's a light. And it just pointed you there. I don't know if that was maybe a car, maybe two. The only thing is that there are only two houses on this road. There's only two, or like maybe three. And by the looks of it, we are so far up that road that where we are now, there couldn't be any possible like light. Mm-mm. There are bends in this road. There's no way a light from those houses could come through the trees, through the bends. That's right? True, yeah. How in the world is that even a thing? Cette lumière, qui peut être observée à plusieurs reprises au loin, a de quoi surprendre et fait directement écho aux différents témoignages. L'événement est d'autant plus intriguant qu'il n'est censé y avoir, selon le jeune homme, aucune habitation dans les alentours. Mais les résultats obtenus par le couple, qui décide de continuer l'enquête en menant une séance de spirit box, ne vont pas s'arrêter là. Can you tell us if you're finally with your daughter? Light. I said light. Can you hit the car? Can you let us know you're here somehow? Is the little girl here with us? Can we talk to the little girl? Oh my god. Can you tell us your name? Please tell us your name. What's that? Hello? Anybody here? Oh! Oh! Oh my god! Someone just touched my I'm serious, baby. Someone just touched my Really? Yeah, I'm not even joking. What the hell? Someone literally touched my freaking butt. That was the last thing I was expecting. This is one freaking creepy road, man. I gotta say, this road is probably one of my favorites, and every time you come here, you get like a different feeling, a different experience, if that makes sense. Les lumières au loin, les réponses obtenues par la Spirit Box, la sensation d'avoir été touché. Si tous ces événements ne constituent pas des preuves irréfutables, s'ils peuvent être interprétés de manière biaisée, et s'ils peuvent également être une mise en scène, ils viennent malgré tout s'ajouter à la liste des étranges observations qui ont pu être faites sur cette route. Et tandis que le couple quitte cet endroit pour retrouver le confort de sa maison, la lumière de cette lanterne continuera peut-être de briller dans l'espoir, un jour, de réunir un père et sa fille. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. A plus.